qui travaillent de telle manière, c'est pour venir conserver aussi, garder toujours le fond. Merci Marou, qui a été très bref. On va continuer avec le capitaine de la formation, le capitaine de la formation de Allons-y pour Djanakouane. C'est qui? Et d'abord, bonsoir tout le monde. L'année passée, dans la base pour l'académie, j'étais là pour, comment je peux dire ça, découvrir le tournoi. Et on a vraiment fait une nouvelle saison l'année passée. Mais cette année, nous venons avec un nouveau objectif. C'est d'aller plus loin que l'année passée, avec la philosophie qui a été mise en place par le directeur technique et le coach. Nous espérons vraiment que nous allons faire mieux que l'année passée. Merci. Notre objectif à ne pas c'est de remporter cette édition comme nous l'avons toujours souhaité. L'année dernière, nous avons été sortis à la demi-finale. Cette année, on veut remporter cette édition. Les objectifs sont donc là pour le corps royal. Et tout à côté, il y a Ulrich, qui est le capitaine de l'Union sportive de Douala. Même traditionnel, objectif à atteindre pour l'Union. Bonsoir tout le monde. Cette année, l'année dernière, nous avons gagné en finale par le football. Dans cette année, nous avons mené un titre et conservé notre titre comme l'année sur l'année anterieure. Merci. Ulrich, et tout à côté, on a Mathieu Vigui, capitaine de l'EFBC. Deux saisons de disette pour l'EFBC. Est-ce que remporter ce titre est une obsession pour l'EFBC? Bonsoir à tous. Nous sommes venus dans cette compétition en qualité. Nous sommes même, parce que la formation a pris les gens en phase de poule, donc nous ne sommes pas favoris pour cette compétition. On espère remonter la bande et, comme toute équipe qui organise un tournoi à la maison, on espère garder le trophée ici à la maison. Je souhaite bonne chance à tous. Merci Mathieu.